3, 2, 1, c'est parti! À l'assaut! Charge! Et le robot des Centaures qui traverse la ligne de défense, suivi par les Carnicas. Et du côté des Bleus, les trois robots sont maintenant dans la cour des Rouges. Et Téléos qui commence maintenant. Et les Centaures qui se préparent à marquer. Oh, un lancer raté, malheureusement, de la part des Mécanos. Et de même pour le Centaure. Un peu trop. Il semble que les Carnicas ne soient plus en mesure de faire avancer leur... Et voilà, il se réactive avec son boulet. Est-ce qu'il va réussir à marquer? Oh, malheureusement, ça manque un peu de puissance. Du côté de l'Alliance Bleue, il semble que le Scarabeau soit coincé. Oh, et son ami vient l'aider. Excellente collaboration de la part des Spartiates qui ont aidé le Scarabeau à sortir du fossé. Les trois robots bleus sont dans la cour des Rouges et malheureusement, il semble que les Spartiates demeurent immobiles. Et on voit ici les Carnicas qui tentent de franchir la herse. Il la soulève et passe en dessous. C'est réussi. Et ce qui a donc endommagé la herse dans la ligne de défense des Bleus. The portcullis in the Blue Outerworks has been damaged, as has the moat. Le fossé aussi a été endommagé. C'est donc deux défenses qui ont été endommagées dans la ligne de défense des Bleus. Du côté des Rouges, on a aussi réussi à endommager deux défenses. Il reste 30 secondes. Le pointage est de 39 à 50 pour l'Alliance des Bleus. Il reste 20 secondes. Est-ce qu'on va réussir à grimper sur le talus? Il semble que le Mécano soit déjà en place. Et de même que le Centaure. Oh! Percute la paroi. Ah! C'est terminé! C'est très, très chaud!